Bac à sable, sauf qu'au final le bac à sable on va le mettre là, comme ça on gagne un petit peu de place, parce qu'ici c'est la cabane, mais bon normalement il va y avoir une deuxième cabane là, oui. Voilà, qui va déboucher sur un toboggan juste là. Et ici à la place de ça il va y avoir donc des balançoires et voilà, il va y avoir évidemment ici des petites barrières. Et donc là, il reste encore un petit peu de trous. Donc là, tout ça, on va le couvrir. Et on va en faire un bac à sable. Voilà, donc à la place de ça, donc je vais le reboucher. On voulait faire une allée dans le jardin. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour l'instant, on a délimité avec les bois, comme ça. Et ensuite, comme il nous restait un petit peu de béton, bah, du coup, on va mettre des petites pierres en béton. Tout le long là pour délimiter pour l'instant, en attendant de pouvoir mettre notre petit muret qu'on a très envie de mettre, voilà, qu'on va aller chercher d'ici quelques mois. Donc là moi j'ai enterré en fait des petites pierres, comme ça délimite quand même un petit peu. Voilà, Titou il est bien là, il est bien. Ici on a mis comme ça en fait les transats en épi, voilà, pour pouvoir délimiter du coup un petit peu ici. Donc là il y aura donc ce transat là, un autre transat, celui-ci, on les a mis en épi pour gagner de la place. Et là on va continuer la petite plage avec un transat, donc ici là, un autre transat, et ici il y aura une chaise longue, voilà. Voilà, voilà. Et vous savez pourquoi on rebouche? Ben, c'est qu'en fait le truc c'est que on s'est dit, si le monsieur met des produits dans sa vigne, peut-être que ça va avoir un effet sur nos poissons. Voilà, peut-être que ça va les faire mourir, peut-être que voilà, donc ben on a... Voilà, et ben moi j'ai pas envie qu'ils me fassent crever les poissons. T'as coupé, ouais, t'as coupé du coup les petits bouts là,
en haut, ouais, sur et les sur les côtés, côtés, ici, ouais, et en bas. Ouais, ben bon boulot, hein. Et des deux côtés. Putain. Bon, pendant que je suis en train de continuer à aligner les pierres, juste là, voilà. Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je continue la structure des enfants. Doucement, doucement. C'est parti! Wouhou! Je réussirai ça aussi. Je vois, un cheval têtu prend toujours la tête du troupeau. Dis-moi, d'où tu sors toutes ces citations? D'Internet? Ouais, on avait laissé tomber. C'était quoi? C'était il y a 2 mois, à peu près. Mars. Ouais, c'était en mars. Oui, parce que c'était autour de ton anniversaire. Donc le mois de mars, quoi. Donc depuis le mois de mars, il faut les laver le truc. On a trop de charge mentale, hein. Faut vraiment qu'on prenne des vacances. Ouais. Comme tu dis. J'ai commencé à délimiter avec des pierres, là, juste ici, voilà. Donc là, ici, je vais tout décaisser, parce qu'en fait, vous voyez pas, mais c'est en hauteur, c'est en relief, quoi. Voilà. Et ici aussi, comme ça, ça va faire une allée. C'est pas la grande allée avec plein de statues, mais ça va le faire.
J'adore comment il court. C'est trop mignon. Tu ne vois pas Jack ? Ni qui que ce soit. Il est ici. David Jones aime voler les armes et n'aime pas les rendre. Et quelle importance ? Nous sommes pris au piège par votre faute, tout comme Jack. Reste avec moi à bord du Pearl et je vous conduirai à la baie des naufragés, où je vous livrerai les pirates et où vous ne me livrerez pas à Jones. Vous êtes plutôt gagnant, non? Et que deviendra mademoiselle Swan? Quel intérêt a-t-elle pour vous? Et le chien qui regarde du genre mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont vu un truc. Qu'est-ce que vous avez vu les gars? Ils regardent le monde d'ailleurs. Du genre qu'est-ce que tu fais? Bronzé au niveau des bras. Oui t'es bronzé. C'est beau. C'est vrai. La différence entre le bronzage et... Le non-bronzage. Ouais. Il y a quelques années, on était au quatrième étage d'un immeuble en plein centre-ville de Bordeaux. Et aujourd'hui, on a ce cadre de vie. On s'est battu pendant 4 ans. 4 ans pour avoir cette construction et pour vivre ça. Alors à tous, j'ai envie de vous dire, ne perdez jamais espoir. C'est un cadeau pour moi. Oui. Quoi? C'est un biscuit. Attends. C'est ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Nous deux. Bonne fête, maman. Ah! Ah! Wow. Et c'est quoi dedans? C'est un truc. C'est un truc. Oui. C'est pour faire quoi? Ça, là. C'est pour faire du vent. Toute belle pour te dire je t'aime. C'est mignon. Ça va mon chat? Ah franchement j'adore, c'est magnifique. Ah ben moi je veux bien, hein. Y a pas de souci. Ha ha ha.